Aujourd'hui, on va faire un cache-cache géant dans un parc d'attractions avec en tout 80 personnes qui sont cachées. On sera 4 chercheurs à fouiller tout le parc et celui qui trouve le plus de personnes cachées en 1h30 de recherche gagne la vidéo. Vous allez voir, il y a plein de cachettes incroyables, ça va être trop bien. Et avant que ça commence, pensez à vous abonner à ma chaîne. Ça soutient de fou et ça motive encore plus à faire des gros projets comme ça. Et allez, c'est parti! On a également quand même 80 personnes derrière nous. Derrière nous, carrément. Derrière nous, ça va. Vous avez 15 minutes pour vous cacher à partir de maintenant. C'est parti! Et nous, pour l'instant, c'est 15 minutes un peu longues, là. Et donc, pendant qu'il se cache, évidemment, je vous présente qui m'accompagne dans cette vidéo. On a Léo, on a Brieux, on a Maximilien. Vous êtes chauds, les gars? On est évidemment très chauds. Très, très chaud. Ça va être incroyable. Alors, Max, vous l'avez déjà vu, évidemment, dans plusieurs de mes vidéos. Déjà, dans ma dernière vidéo, le dernier qui arrête de boire, c'était le barman. Exactement. Enfin, voilà, Max, évidemment, le frérot sûr. Donc, où est-ce qu'on est actuellement? On est à Nigloland. C'est un parc d'attractions qui est entre Troyes et Chaumont. Et vous avez vu des images, c'est vraiment très, très stylé. Et déjà, c'est une chance de fou d'être ici. Donc, déjà, bien sûr, merci à eux de nous accueillir. Du coup, il y a tellement de cachets, tellement d'endroits possibles. Justement, ça va être assez chaud, les gars, en très peu de temps. Allez, c'est parti. Non, ils sont en train de se cacher là. Caché, on faisait plus beaucoup de temps. Bon, le temps passe, il reste 30 secondes seulement, donc j'espère qu'ils sont bien cachés. Nous, les gars, on va bientôt pouvoir partir et évidemment, je pense qu'on va se croiser au fur et à mesure du parcours. Ok, les gars, vous êtes prêts? Oh, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! Allez! Let's go! Je vais les fumer, putain, je vais les fumer. Bon, on part chacun de notre côté. J'ai très peu de strats, on a fait un petit tour du parc avant très vite fait. Mais honnêtement, j'ai aucune idée. Il y a quand même 80 personnes à trouver, ça peut être assez vénère. Ok, dans 5 secondes, je cours plus. Hein. J'ai pas le cardio. Voilà, en fait, on va fake hein, parce que flemme de courir. J'aimerais tellement trouver quelqu'un en moins de 2 minutes, ça me ferait du bien psychologiquement. Je vais partir directement là-bas. Je pense qu'ils vont pas s'être cachés près du point de départ. Ils vont être loin. Alors, on nous a dit que. Qui pouvaient être dans les poubelles, mais en vrai, ils peuvent. Enfin, je pense pas qu'ils vont se mettre dans les poubelles. J'ai rien que là, le buisson, je me dis peut-être qu'il peut y avoir des gens, tu vois. À tout moment, il y a quelqu'un dans le buisson. T'as pas honte, si dans le buisson, il est chaud. Hein. Il y a quelqu'un? Si jamais, peut-être qu'il répond, avec un peu de chance. Non, c'est avec quelqu'un, non, mais ouais, je pense qu'il peut pas y avoir quelqu'un là. C'est quoi? Et surtout, je pense c'est trop proche d'où on a commencé. Oh, ça va être trop dur, mais c'est... attends, mais il y a 80 personnes là? Ah putain, bah j'en ai trouvé un là. Ah putain, c'est bon, j'en ai trouvé un. Là, un grand, il est immense, putain, il est immense, mais il sait pas se cacher. Trouvé. Non. Numéro Normandie là. Mais Max, mais... Ah merde. Là-dedans, fais gaffe si jamais dans les petites voitures là. Quelqu'un de très petit peut rentrer dedans là. Non, ok, je pense à personne. Salut mon copain. Ça va? Ça va et toi? Ouais. Alors c'était une bonne cachette en vrai. Bien joué parce qu'en plus, je me disais que personne n'allait aller ici. Eh ben si. C'est quel numéro? 22. Ok, alors on précise, il n'y a pas tout qui est ouvert. Il y a certaines attractions qui sont fermées évidemment pour des raisons de sécurité et tout, donc c'est normal. Par exemple ici quoi. Imaginez, je trouve personne, moi, ce serait une dinguerie quand même. Et pour rendre grosse force à la personne qui s'est trouvée en premier, parce que c'est sacrément miskin. Allez, je l'attends par là. Je le sens bien. Oh, wow, comment je le sens bien par là? Oh, le premier trouvé! Oh non! Oh non! Brieux, il a trouvé quelqu'un, putain, j'ai le seum. Bon, viens, on court un peu. On va prendre de l'avance sur lui. Le tout premier. Ah, je pensais durer jusqu'à la fin. C'est vrai? Non, vraiment c'est, le premier. T'es le tout premier. Bah, bien joué, hein. Viens de loin. Reims. Excuse-moi. Reims. Bien joué à toi. Hein. Empire, 1h30 de route pour trouver un dans 5 minutes. Et bah. Et bah, désolé, hein, merci beaucoup. Yes! Oh, j'ai trouvé quelqu'un. Let's go! Oh, deux personnes en même temps. Salut, ça va? Ça va. Vous êtes que deux là, du coup? Oui. Vous êtes pas des poucaves, quoi? Je sais pas. Bon, en tout cas, pour moi, vous êtes les premières. Merci à vous, j'ai deux personnes déjà. Let's go. Ça met en confiance. Le plus dur, c'est de commencer. Ready or not, here I come. On est dans la partie dîner américain, c'est pour ça. Là, y a-t-il pas quelqu'un qui s'est mis là? Ben non, ils sont pas assez bêtes pour se mettre là. On n'est pas assez bêtes pour se mettre là. Oh, j'ai chopé le 22 et le 23. Désolé, poteau. Ah, c'est la vie. T'as pas des camarades qui sont dans le coin par hasard? Moi, je ne sais pas. Salut. Ouais, je me disais qu'il y avait peut-être moyen qu'il soit caché, tu vois, un peu entre potes. Tes potes avec le 23, vous vous êtes caché entre poteaux. Même pas, je suis venu, moi, par ici. Mais non. Bon, écoute, bien joué quand même, en vrai. Regardez-moi ça comme c'est beau, ce parc-là. J'ai envie de faire toutes les attractions au monde. Ah ouais, je connaissais pas trop Nigloland, mais c'est vraiment très stylé, ça fait très familial. Oh, mais... Ah, mais je t'ai vu, là. Ah ouais. Ah oui, je crois que je t'ai vu, là. Allez, le deuxième. T'es tout seul? T'es le deuxième que j'ai trouvé. Ah ouais? Ouais, mais j'ai fait un tout droit vers là, je pouvais pas te louper. Putain, oh, en vrai, c'est trop bien des cache-cache quand tu trouves des gens. Par contre, franchement, t'es seul dans un parc d'attractions en faisant un cache-cache.
Tu sais, c'est pas un rêve de gosse. Et quand les temps sont durs et qu'on se dit que... Ah bah non, on va être démonétisé. Allez, je vais tenter là. Oh putain! Oh la vache! Ça va? Je suis mort! T'es en pleine sieste là? T'es toute seule? Bah ouais, je suis calée. Oh la vache! De toute façon là, allez, à ce rythme là, dans 5 minutes, c'est finito! Allez, est-ce qu'on est pas bien parti quand même là? Est-ce qu'on est pas bien parti? Yes! Est-ce que je m'aventure sur les rails? Allez, c'est parti. Prends ça à la SNCF. Non là, imagine, t'as un mec là-dedans là. Tu sais, c'est un peu profond. Là, peut-être que je l'écrase. Hein. Si vous entendez aïe, j'ai trouvé quelqu'un. Je sais pas du tout si je démarre bien ou si Brieux, Max et Léo, ils ont beaucoup plus d'avance que moi. Qu'est-ce qui se passe de leur côté là? Là, je suis sûr qu'il y en a. Enfin, je suis sûr. Ça me paraît très fou, mais. Oh putain, il y en a un là. Trouvé, je t'ai trouvé. Oh la cachette de fou furieux. Putain, c'est mon premier. Yes, aïe. T'es numéro combien? 68. Incroyable, le numéro 68 qui vient d'être trouvé. T'es mon premier. Non. Si, je te jure. J'arrive. J'arrive vous chercher. Oh non. Oh, ils sont trop vus. Oh non. Ah, oh, bien joué. On n'est pas dans les 5 premiers trouvés, j'espère. Si, vous êtes les 4 et 5e. Que j'ai trouvé moi. On est à 5 là. Mon objectif c'est de faire plus de 20. Parce qu'ils sont 80, on est 4, ça fait à peu près 20 par personne. Après je réfléchis, je me dis un truc quand même les gars. C'est que franchement je suis à leur place, je vais le plus loin possible de la zone du début. Donc je vais peut-être au final tracer le plus loin possible. Ah putain, rester assis, merde, qu'est-ce que je fais? Attendez. Je désobéis pas trop longtemps, mais je reste vraiment 3 secondes histoire de. Hein. Ok, c'est parti. Je vais le plus loin possible et à partir de là, je reviens en arrière. Y'en a pas un qui s'est mis là? Ben non, parce que ça fait mal là en fait. Là j'imagine que. On n'a pas le droit. Oh! Mais non! Mais non! Mais non! Bonjour! Alors vraiment, s'il y a bien un endroit où je m'attendais pas à trouver quelqu'un, c'est vraiment là. Hein. Est-ce que tu trouvais que ta cachette, elle était bien? Ouais, franchement, ouais. Ouais, moi aussi, je suis assez d'accord avec toi. Oh, la cachette, elle était incroyable. Là, il n'y a pas... Mais si! Mais il y a le 53! Il est juste là! Oh, c'est hyper voyeuriste comme manière de faire. C'est-à-dire que je les trouve et après, je les filme en gros plan. Est-ce que t'as besoin d'aide, 53? Comment tu t'appelles? Corentin. Vas-y, hein. Bah, je te dis à tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Allez, ça marche, ciao. Sortez de mon marais! Shrek. C'est Shrek. Bon, je vais sortir de cette jungle. Putain, j'ai pas vu la camionnette. Oh, je suis un monstre. Il y en a un qui est là. Wesh, mon gars, ma soeur. Comment elle va? Ça fait mal. Bravo, t'es la numéro combien? 10, Zizou, je viens de trouver Zizou. Allez, 2 sur 80 Lucas, c'est un bon ratio. Si je ramène ça sur 20, ça fait 0,5 sur 20 les gars. Ouais, non, c'est fermé la merde. On regarde si jamais dans l'eau. Hein. Y'a pas un mec sous le pont là, je filme, vous me dites. Hein. Oh, mais wesh, j'ai un téléphone. Mais wesh, y'a quelqu'un là? Oh, c'était une vanne à la base, y'a un téléphone. C'est qui là sous le pont là? Je vois la main, tu peux sortir frérot. C'est une vanne à la base en plus. Tu sais que genre vraiment, je me remettais. Oh, je suis mort. J'ai posé mon tel comme un con. Bah, tu t'es cramé à cause de ça. Hein. Mais quel bouffon. Ah, dommage, bah bravo frérot quand même. Numéro 17. C'est à toi, c'est ça. Bah, merci frérot. Après, ça va parce que j'ai été entraîné depuis ma plus tendre enfance à vivre dans la forêt. Et du coup, j'arrive tout de suite à repérer une forme qui n'est pas censée appartenir dans un environnement naturel. Bon, là, y en a pas par exemple. Alors, pas de blague, je vais vraiment essayer. Alors, je te déconseille de venir, Tim. Parce que j'ai trouvé quelqu'un. Oh, la doublette. Oh, la doublette. Le 29 et le 30. Putain, t'es vraiment trop fort, ma mère. Putain, je vous ai fumé. Il y a moyen d'en profiter pour faire une petite pub pour la chaîne YouTube ou pas? Bah, vas-y, hein, c'est pas moi le monteur, mon gars, mais vas-y. On hein. Verra si ça peut tenter dans la vie, ma mère. Allez-y, allez-y. On est UNS Boom sur YouTube, les gars. On fait des vidéos recettes. On éclate les cookies avec des marteaux. On est des dingues. Ouais. On tente. Bah, vas-y, vous avez bien raison. Merci les gars. En tout cas. Un peu déceptif, en vrai un peu déceptif. Bon, ça fait 4 là, tout de suite dans la vision de Brieux. Je continue comme ça. Oh putain, ils ont été trouvés. C'est qui nous a trouvés? C'est Maximilien. Par là? Ouais, on était dans le toboggan. Bon, les gars, j'en rêve un petit peu, je vais pas vous mentir. Dans la poubelle, ça serait beau. Non, franchement, si quelqu'un arrive à rentrer là-dedans, il gagne directement la vidéo. Oh, je suis désolé, hein. Je suis désolé, frérot. Je crois que je t'ai eu, hein. En vrai, t'étais bien caché, d'autant que là, t'étais dans l'inconfort total. Ah ouais, là, les fourmis, les araignées, c'est... Ouais, en vrai, on peut le dire, t'as donné de ta personne. Ouais, à fond, là. J'apprécie beaucoup la démarche. Excusez-moi. Putain, merci. C'est douloureux, n'est-ce pas? Je sais même pas si on le voit à la cam. Parce que ton collègue, il avait l'air dans la souffrance, là. Hein. Ah, mais j'étais dans la souffrance depuis 15 minutes. T'as besoin d'aide? Non, ça va aller. Ça va aller? J'ai m'enlevé mes chaussures pour éviter d'être cramé. T'as donné de ta personne, j'apprécie l'effort en vrai. Tu,
Tu t'es pas caché derrière un arbre, ça va. Allez, à tout à l'heure. Je sais pas s'ils peuvent rentrer là. Mais non, ils peuvent pas rentrer dans une poubelle. Oh si, ils peuvent rentrer de fou. Oh putain, le cheat code, je vais en trouver 20 dans des poubelles. Oh, je suis mort. Bah voilà quoi, hein. La vie, hein. Regardez là, il y a un truc pirate. Je pense qu'ils sont en sueur dès qu'ils entendent ma voix, tu sais. Oh, ce serait beau là. Ce serait beau. Oh là-dedans là. Non. Y'a pas quelqu'un de caché là, vous allez me dire. J'ai le seum. Oh, dans ma tête, c'était vraiment la cachette sûre là. Oh, attends. Oh, j'ai vu un pied. Oh, j'ai vu un pied. Oh, mais c'est bon. Salut. Il est là, putain. Oh, mais il y en a deux. Oh là là, deux pour le prénom, ça rigole. Ça va, vous allez bien? Ça va, ça va. Oh, j'ai failli revenir en arrière là-bas. Et t'entendais ma voix, t'as stressé un peu quand je suis arrivé? Ouais, j'avoue là. Je pense que tu passerais là comme ça. Tu sais ce qui t'a cramé, c'est évidemment cette chaussure hyper bleue dans cette nature. Et attention au sac rouge aussi qui est derrière, qui je pense m'aurait bien aidé. Hein. M'a donné un coup de queue. T'as compris? M'a donné un coup de queue. Bon, allez. Eh oui. Bonjour. Bienvenue dans cette traque humaine. Désolé, hein, c'était une très bonne cachette en vrai, mais... Bah si, en vrai, elle était très bien. Mais c'est vrai que vous étiez plusieurs dans le même coin, je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Bon, bah, on va continuer par là. Là, on a tous les petits malins qui pensaient se mettre un peu à l'abri en se mettant à l'écart du parc. Oh, là-dedans, là. Tu vas me dire, dans les petits trains là de parc d'attraction, il n'y a personne. Là. Genre là-dedans, là, il n'y a personne. J'y crois pas une seule seconde. Vous foutez pas de ma gueule, hein. Oh, oui, des gigarines par contre. C'est à la limite, j'en ai trouvé 48 là. Je crois que j'ai gagné la vidéo si on les compte. Bon, on est ici maintenant. Là, il n'y a rien. Oh, viens voir. La doublette. La doublette. Comme quand t'es petit, tu sais, tu te caches derrière la porte en pensant que personne va trouver alors que c'est la cachette la plus évidente. Numéro 43 et combien? 44. 43, 44. Et là, t'as un mec assis au calme. Oh, il y a Brieux. Wouhou. Tintin. On a trouvé combien? Nanana. Si je te dis, tu me dis? Ouais, vas-y. 5. Oh, pareil. C'est vrai? Jure, ouais. Allez, là, faut qu'on se dépêche alors! Y'a personne dans le cheval, hein? Non. Personne dans le cheval. Bruy, il prend le même chemin que je viens de faire. S'il trouve des gens, je suis hyper vexé, hein, je vous le dis. Oh, je pense qu'il y en a en vrai, ils ont vraiment des cachettes de fou furieux. Parce que là, comme on galère à en trouver, j'ai hâte de voir à la fin. S'il y en a qu'on trouve pas, on montre évidemment toutes les cachettes. Et je pense qu'il y aura vraiment un reveal de fou. Je me bénis de ne pas avoir mis de short. En fait, le truc, c'est que je sais même pas où il se termine le parc. Bonjour, c'est la poste. Vous allez bien? Très bien. Est-ce que tu qualifierais cette cachette de confortable? C'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est quand même le truc un peu commun de tous les gens que j'ai trouvé depuis tout à l'heure, c'était pas confortable surtout, ils ont vraiment pas kiffé l'endroit où ils étaient. Et surtout que là, je suis désolé, hein, je vois une autre personne, donc bon bah, bonjour. Non. Comment allez-vous? Je suis dans le buisson. Non mais je sais, vous êtes un buisson, mais je vous ai trouvé. Bah en vrai, bien joué à vous. Après pour corser le jeu, je peux faire un autre concept sur ma chaîne, c'est cache-cache, j'enlève mes lunettes. Et là, on compte à peu près 4-5 jours pour que j'en puisse en trouver un seul. Oh putain! Oh putain! Oh, je t'ai aperçu! T'es tout seul? Non, oui! Allez! Oh le noob! J'étais sûr que ça allait être toi. Oh oui! Oh, je suis content! Tu m'aides à me relever? Ouais. Lucas, il est passé deux fois à côté de nous. Oh, mais Lucas, il est trop nul! Bien joué! Purée! Là, dans le cyprès, c'est pas possible. Je commence vraiment à croire qu'ils sont des cachettes de fou, donc je me dis même en haut d'un cyprès, on sait jamais. J'ai vraiment envie de croire qu'ils sont dans la plaque d'égout là. Oh, y'allez où là-bas? Y'allez où? Je vais me faire passer pour un mec de la sécurité. Ah, sécurité du parc, vous avez pas le droit d'aller par là-bas. Faut rester dans le petit coin là. Brieux, brieux. Sécurité du parc. Là, je sais que c'est toi et ensuite t'as une GoPro. T'as une GoPro. Putain, mais je suis con. C'est quoi ça là? Est-ce que ce serait pas une cachette de fou ça? Trouvé. Ah non, il m'a eu. Oh la honte. Pas cool. Là, j'imagine. Non. Ils ont le droit d'aller là. Regarde, tu vois ce que je vois, Joe? Non, t'as rien vu, casse-toi. Oh non! Oh non! Casse-toi. Oh, il m'a trouvé avant moi. Non, non, non! Tu te fais passer pour un... Moi, je suis une grenouille. Non, non, non! Non, je suis une grenouille. J'avais vu une grenouille avec un maillot des Eagles, hein, mais franchement, bien joué à toi. Par contre, t'aurais dû cacher tes chaussures. C'est tes chaussures que j'ai vues en vrai. Ah non, 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 je me suis fait voler là. Ah purée. Est-ce qu'on le sortirait pas bien là-dedans là? Je vais tous vous trouver les uns après les autres. Regardez, il y a un truc spécial, dinosaure. Entre deux T-Rex, on sait jamais. Il y a peut-être un mec en équipe dans le toboggan.
Oh non, oh, j'ai cru peut-être que juste il y en a un, mais que mes frérots ils sont passés par là aussi. Hein. J'ai croisé que Brieux, mais pour l'instant Max et Léo, peut-être qu'ils sont très très chauds. Hein. J'ai une théorie comme quoi ils sont tous enfuis du parc. Hein. Ils sont rentrés chez eux en fait. Peut-être que je prenne la voiture, je prenne l'autoroute et tout, et je vais les chercher chez eux. Hein. C'est pas un remake de Titanic très nul ça? En plus je suis seul, hein. C'est vraiment très très nul comme remake. Hein. Oh, s'il y a quelqu'un là-dedans, il est vraiment prêt à tout. Hein. Là c'est des sangliers qu'on va trouver là. Aïe! Attention ronce! Aïe! Ah! Ah, regardez, il y a Lucas. Regarde, je vais lui faire peur, je vais faire genre je cours. Là-dedans, c'est jamais là. Lucas, t'en as trouvé combien? Vas-y, dis d'abord. 15. Mito, bah moi 16. T'en as trouvé 16? Ouais, allez, à tout temps. Hein. Lucas? Ouais. Quoi couper? Bah non, j'ai dit ouais, ça marche pas du coup. Quoi couper? Ouais, ouais, bah ça marche pas, dommage, mais. Allez, il y a un quoi couper en bonus. Oh là-dedans, les gars. Je veux y croire. Oh non. Oh, let's go! Oh oui! Oh, j'ai vu la poubelle, je me suis dit ce serait trop beau. Oh frérot, bravo. Cachette. Non, allez bien. Allez bien quand même. Oh, il fait trop chaud. Non mais j'ai... Oh putain, oui, ça aide depuis une demi-heure là-dedans là. Début, ouais. On peut faire un point SL ou pas? Ouais. Oh, ça va, franchement raisonnable. C'est numéro 37, quel crack, franchement, je rêvais que quelqu'un soit dans une poubelle. T'as géré. Abonnez-vous à sa chaîne. Oh, c'est pas moi qui le dis. Merci frérot, ça rigole. C'est mon sixième. Hein. Oh là là, c'est beau. Ça remet en confiance. Hein. Il en faut de la confiance. Dans la vie en général, je parle. Hein. Si vous voulez qu'on en parle un jour, n'hésitez pas. Hein. Il faut être confiant dans la vie. Oh, je suis sûr qu'il y a quelqu'un. Oh oui! Regarde-moi là-bas! Ah oui! Ça va? Ça va. T'es bien là? T'es toute seule? Ouais. T'es sûre, hein? Ouais. Tu me dirais, tu me mentirais pas? Non. T'es sûre, hein? Oui. Oh, elle fait plaisir, elle. Ça faisait longtemps que j'avais trouvé quelqu'un. Oh oui! Regarde-la! Je la vois! Oh oui, le rêve! Le 9e point! T'es tout seul? Ouais. T'es sûre? Oh, comment t'as une tête de menteur, je suis sûr que t'es pas tout seul. T'es tout seul? Bien joué. Bon, et bah, 9e, hein? Et bah, bonne chance. Bah, merci. Oh, y'a un gars là-bas, il croit que je l'ai pas vu. Ah non, c'est un mannequin. Bon. Attends, c'est quoi là? Oh, frérot! Oh non! J'espère que tu vas bien. Bah, franchement, bien joué. En vrai, ta cachette, elle était vraiment. Et c'est parce que du coup j'ai pris l'habitude de regarder Ara parce que vous vous cachez tous comme ça sous des plantes. Mais en vrai bien joué. Oh non, celui qui s'est mis là-dedans il tient pas sa vie. Ah, c'est pas possible. Oh, c'est une cachette de fou furieux, mais y a pas quelqu'un quand même là-dedans. Oh putain! Yes! Hey, y avait pas ton téléphone, je te voyais pas. T'es tout seul? Ouais. Oh là 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 là. Bien joué. Mais comment t'es rentré là-dedans? Oh. Je te jure, il n'y avait pas ton téléphone, j'étais tombé, je partais. J'aurais bien joué, elle est bien là. Pourquoi il n'y a personne là? Allez, t'es trouvé là. Ah ouais, je vais y aller au bluff. Mais c'est ça qu'il faut faire. Trouver derrière les buissons. Là, là, avec l'étiquette blanche à droite sur le torse. Oh. Yes, super. Bien joué, 56. Fais gaffe, t'es encore en buisson là. J'étais en pleine sieste là. Ah ouais? Ouais, j'étais bien là. Bah, assieds-toi. Regarde, à l'ombre et tout. Oh, le move de roi que je viens de faire. Le mec, il a fait oh non! Je regardais à l'opposé. Ça a été écrasé par terre. Quelqu'un a marché par terre. Merde! Y'a personne. Je croisais les doigts pour un sursaut. Y'a personne qui a pu monter là, c'est pas possible, c'est pas des animaux quand même. Ah, y'a encore un petit peu par là? Ah, mais ça me tente trop. Oh, trouvé! Trouvé! Oh la vache! Ah, vous étiez bien caché là! Aïe aïe aïe! Je te vois même pas! Mais toi, t'aurais dû rester caché, c'était un bizarre. Ouais, je vous voyais trop bien là! 100% de bluff, j'ai rien vu! Allez, vous étiez bien caché pourtant! Je comprends pas si c'est de la triche ou pas. Je crois qu'on est un peu à la frontière. Vous êtes deux? Oh la vache! Mais vous êtes si haut? Ah, il y en a un par là! Ah oui! Allez, bonne chance, hein. Oh là là! Eh les gars, j'ai une petite confidence. Je vous avais pas vu du tout. Quoi? J'ai juste fait trouver et vous avez réagi quoi. Mais quoi? Ouais. C'est vrai? Ouais. Mais non, on était là. Non, on voyait rien du tout. Rien. Vous étiez invisible. Et là, on arrive au bord du parc. Ce serait beau, on y croit. Quoi qu'un mec peut-être s'est dit, c'est quoi? Je vais aller tout au fond. Ça va, il m'en manque 74. Donc 74, ça va, c'est. Je vais le faire. Hein. Laissez-moi un peu de temps quand même. Quelques minutes quoi. Là derrière. T'es trouvé là, t'es trouvé avec le scotch blanc sur le pec droit. Ah putain, j'étais bien caché pourtant. Ah, c'est toi Brio, je suis pas dupe hein. T'as triché avec le deux d'avant, ils m'ont dit. Alors c'est pas de la triche.
J'ai fait la même technique que ce que tu viens de faire. Je suis passé devant, j'ai fait oh non, trouvé. Et là, ils ont fait oh non, putain. Toi aussi, tu fais cette technique? Ça a déjà marché, toi? Ouais, une fois. Pareil, mais je regardais à l'opposé. Allez, le 22e point. Impossible. Vas-y, sors. Vas-y, viens. T'es un mytho. Vas-y, Max, va là-bas. Ouais, t'étais bien caché. Ah, c'est un sourd muet. Allez, là-dedans, on n'y est pas allé pour l'instant. Oh, là-dedans. Pourquoi pas derrière la petite butte, là? Ouais, c'est... ça me paraît effectivement un peu simple. Attention. Regardez cette belle attraction. Là. C'est beau ce qui se passe ici, attention. Oh. Bonjour. Non, c'est pas grave. Allez, vous pouvez sortir. Oh putain, en plus j'ai une bête dans mon dos. Tu vois, tu viens de te cramer parce que je t'avais vu que toi et j'ai dit vous pouvez sortir parce que je me dis je suis sûr qu'elles sont plusieurs. Bien joué. Bah bravo, bravo quand même pour cette cachette les filles. Et je voulais savoir, est-ce que t'as les crampus? Ah pas non, quoi couber. Oh Max. Ouais. T'en as trouvé combien? Là, bah j'étais à 15 tout à l'heure, je suis à 18 là. Et toi? Bah pareil quasiment. À 18, bah il en est à la moitié presque tous les deux. Bah ouais, 18 hein. Ça va vite hein, moi je sais, c'était d'abord les 17 premiers, après 18 et puis voilà tu vois. Ouais, moi c'était 16 d'abord, puis après j'en ai trouvé deux. 16 d'un coup? Ouais. Tous au même endroit? Et après, quand j'en vois certains passer, tu vois, comme des gens qui passent comme ça. Tu considères que tu as trouvé du coup? Ouais. Ah mais c'est pas du jeu du coup? Ça marche pas? Bah si, ils me disent j'ai été trouvé par Léo par exemple. Et tu dis non, c'est pas moi? Et après je dis ouais, tu dis que t'es passé par moi. Tu dis que t'as été trouvé par moi hein. T'as été trouvé par qui? Brieux. Oh mais non. Et tu vas dire que t'as été trouvé par Max? Non, par Lucas. Allez. Voilà. Et à chaque fois, il réagit comme ça et je le prends pour un oui, quoi. Ah d'accord, ok, t'es sûr? Ouais. Donc, en comptant cela, c'est 18. Et sans compter cela? 7. 6, moi. Allez, force à nous. Allez, force à nous. Là, je suis sûr qu'il y en a qui sont mis, là. Bonjour, en dessous le pont. Salut, frérot. Ça va? Ça va. Tu chillais? Posé. Bien joué frérot, ta cachette était très bien. Oh, il y a plein de poubelles. Oh oui, oui, oui. Oh, oh, t'as tellement chaud. J'en peux plus. Oh la vache. Oh, mais non. Oh la vache. Bah non, t'es content en vrai, t'es content. Oh. C'est un escargot. Un escargot, il sort de sa carapace. Ah putain, trop cool. Oh, je suis refait. Oh, trop bien. Un peu couleur merde, tu sais. Ah, trop cool. Oh, je suis refait. C'est exactement la couleur que je voulais donner à mes chaussures. Trop bien. Là, trouvé. Trouvé derrière les buissons, là. T'es trouvé. Ils sont tous bruns. Le brun, là. Le brun, t'es trouvé. Ah, nouvelle zone. On n'y est pas encore allé, juste là. Oh, j'ai trouvé bien mieux que des abonnés, les gars. Un putain de frigo avec du coca et tout, là. Wow, quel bonheur. Ça, c'est une attraction ou pas? Allez, on va voir quand même. Regardez-moi. Regardez-moi cette belle pêche. Enfin, cette belle trouvaille. Bien joué, les gars. Je pensais pas qu'il y allait avoir des gens qui allaient se mettre dans les poubelles, mais... Il est passé, il a même pas regardé la poubelle. Ouais, il est pas... Il a regardé derrière, mais... Lucas, il est pas assez ouvert en termes de mindset. Il s'est pas dit, il y a des gars, ils vont essayer de gagner, ils vont se mettre dans la poubelle. Bien joué. Il gueule... Oh. Ça va? Ouais, ça va. C'est dinguerie, c'est pas possible. Pardon. Il y a vraiment quelqu'un, je m'excuse auprès de lui. Ça, c'est quand même une dinguerie, j'ai fait quasiment le tour de tout le parc, donc ça veut dire que je suis passé à côté de plein de gens, quoi. Il doit y avoir des cachettes de zinzin, pour utiliser une certaine expression très technique. Tout à l'heure, je suis allé là-bas, mais je pense que j'ai pas assez bien fouillé, donc je pense que c'est plus là-bas où j'en ai raté. Parce que là, c'est un peu le début, donc je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, j'ai envie de retourner là-bas, donc je pense qu'on va retourner là-bas. Let's go. Je suis quand même vraiment bien à l'ombre, là, sur un banc. Bon, on va quand même y aller. Et c'est loin d'être fini, les gars. Je peux encore largement remonter, là. Eh, faut que je refasse une petite remontada, là. Baissez la tête si vous êtes dans la poubelle! Et je parle plus, je me concentre. Et à chaque fois dans les vidéos, je dis ça en plus. Je parle pas, je me concentre et là, je suis chaud. Je vais aller voir là-bas. Là, il y a bien un mec caché, wesh. Ah bah oui, il y a quelqu'un! Oh, c'est incroyable! Oh, let's go! Ouais. Ça va, frérot? Bien joué, bien joué. Oh, je viens de dire, je me concentre et. Et là-bas aussi! Il y a quelqu'un là! Je vais en tourner, il y a quelqu'un! Je t'ai vu, hein. Là, derrière l'arbre, là, allongé. Je t'ai vu du coup. Oh, let's go! Oh là là, quel bonheur! Je passe à 8. Ça va, vous êtes numéro combien? 49. 49 et toi? 58 ça. Ça fait du bien au moral. Tu sais où ils sont toi ou pas? Je sais pas où ils sont. Ça me saoule trop, j'arrive pas à définir où ils sont. Trouvé! Dommage, vous pouvez sortir! Vous pouvez sortir du buisson les amis! Je vous ai trouvé! Aïe 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 aïe! Bien joué en vrai! Bien joué, bien joué. T'as pas vu de gens avec toi? Non, j'étais tout seul. Et en fait, j'ai vu le bleu un peu à travers les buissons, mais en vrai, bien joué, t'étais bien caché quand même. Attends, y a quelqu'un? Ah non, c'est l'arbre. Ah merde, en fait, je suis paysagiste. Paysagiste Nigloland.
Oh putain, y'a un mec. Yes, I. Y'a un mec qui est passé devant toi ou pas? Brieux. J'ai gagné un kill par rapport à Brieux. T'es numéro combien? 19, SCH, malafak. Merci beaucoup, merci à toi. Je pense qu'il y a personne qui a eu le cran de se mettre derrière un T-Rex. Par contre, s'il y en a un qui s'est déguisé en T-Rex, j'avoue, c'est bien vu en vrai. Trouvé. Non, bien joué, le dé... bien joué, je sors de l'œuf, machin et tout. Mais on me la fait pas. Oh là là, si là, il n'y a pas quelqu'un, je m'y connais pas en cache-cache. Hein. Bon bah, je crois que je m'y connais pas en cache-cache. Hein. Mais t'es mal, hein. C'est l'Amazonie ici. Hein. Là, mec, t'as des espèces animales qui ont jamais été découvertes dans l'humanité. Hein. Faut que je refasse des poubelles. Faut que je refasse les poubelles. Toute ma vie, je vais refaire les poubelles. Maintenant, dès que je vais jeter un truc à la poubelle, je vais avoir peur qu'il y ait quelqu'un qui en sorte. Attends. Mais non, tout à l'heure, j'ai déjà fait là de toute façon. Ah, je t'ai vu. Je t'ai vu. T'es toute seule? Ah bah ça, je le dis pas. Allez, je le tente. Hein. Oh oui. Ah oui. Oh là là, la doublette. Merci beaucoup, hein. Merci pour les points. Eh, vous étiez toutes les deux là? Oui, normalement, tout va bien. Est-ce qu'il y a quelqu'un là? Ah, oh, mais elle est à ma taille! Ah putain, c'est pas. Je rentre pile poil. Attends, c'est bon. Oh! Y'a tout le monde qui attend derrière là! Avance ta caisse! Là, en vrai, ceux qui n'ont pas été trouvés là, ça va être tellement plus dur de les trouver après. Parce que ça veut dire que c'est des bons quoi. Oula! J'espère que c'est pas la tête de quelqu'un parce que je viens de l'écraser. On va repartir hein! On s'aventure dans des zones hyper dangereuses. Christophe Colomb n'a jamais fait ça. Il n'a jamais atteint ce niveau. Ça devient un documentaire Arte au milieu du parc tropical de Nigloland. Oh, quand on va voir où ils sont cachés à la fin, ça va être tellement frustrant, c'est un truc de fou. Attends, il y a un cadavre là. Là, je pense que c'est quelqu'un mais qui est là depuis très 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 longtemps. Ah non, ça bouge, ça bouge. Oh putain, oh oui, ça bouge. Ça va? Attends, tu veux que je te raconte? Vas-y, bah raconte-moi. Tu pouvais m'illuminer en 10 secondes. Hein. C'est vrai? Dépasser là. Ah ouais? Putain, c'est dur. Ah Max, il est trop nul. T'es tout seul? Ouais. On va redescendre, je le sens pas trop là. C'est dur là. Hey, 15 dernières minutes, je tente le tout pour le tout, je leur dis de sortir de leur cachette. Genre je me fais passer pour la prod et ils sortent de leur cachette. J'ai plus que ça de toute façon, c'est la triche. Donc c'est là où aura lieu le GP Explorer pour info. Donc ça c'est les voitures officielles. Hein. Vous les voyez juste ici. Oh, il y a Bruy là-bas. On le retrouve. Qu'est-ce qu'il va nous dire celui-là? Ok. Lucas pense qu'il a trouvé 35 personnes. 35 personnes. Oh, il y a Lucas. Oh, Lucas que je vais croiser pour la deuxième fois depuis le début. Hein. Tout le monde, c'est la fin! C'est la fin! Tout le monde sort de sa cachette! Putain, seulement 35 personnes, ça fait chier, putain! Oh là là, j'ai déjà fait 77 personnes! Oh, ça, j'en ai marre, je pense qu'il m'en reste plus que 3. Je suis là, hein. Ça marche pas du coup. Là, t'es trouvé dans les buissons, là, sors! Oh! Vu, t'es vu, trouvé! Un point pour Max, trouvé! Là, y a quelqu'un! Trouvé, vu, trouvé! Je suis vraiment désolé avec le t-shirt blanc, mais c'est la fin de l'aventure. J'allais dire avant de te trouver, là, si j'en trouve un, ça a vraiment plus de valeur qu'avant encore, donc bien joué. C'est vrai? Ah, je sais pas. C'était vraiment, vraiment une bonne cachette. Trouvé! Trouvé! Vraiment trouvé, par contre. Alors que c'était un bluff. T'as bien fait de pas réagir. Ça va, c'était pas trop long? Un peu. Ouais, j'imagine. Je fais un dernier tour pour m'assurer. Là, t'es trouvé! Oh, bâtard! Non, je... Sur le gong! Il reste 3 minutes! Il reste 3 minutes, mon ref! Non! Bien joué, Romain! Ah, bien joué, mon ref! En tout cas, l'avantage, c'est que maintenant, je connais le parc par cœur, mais vraiment. Demandez-moi n'importe quoi, à part où se trouvent les abonnés, et sinon, je sais tout. Oh, le petit connard! Bangouin! Bangouin, bangouin! Ils comprennent rien du tout. Ils sont trop bêtes! Trop bêtes, les canards! Allez, on rentre à la roue tranquille. Allez, on y retourne. Il faut aller en musique. Il faut retourner à la roue. Donc là, on va se réunir du coup avec les quatre. Devant la grande roue, là, on a commencé. Et vous allez voir ce qui va se passer. C'est parti. Bon, les gars, on a fini l'heure et demie de recherche. Il reste encore pas mal de gens qu'on n'a pas trouvé au final. Je pensais qu'on allait faire mieux. Mais du coup, ce qu'on va faire maintenant, évidemment, on va voir où ils sont cachés. Peut-être qu'on est passé juste à côté. Ça peut être très frustrant comme truc, tu vois. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va faire un tour dans le parc. On a un mégaphone, on les appelle, on va voir où ils sont cachés. On va faire un petit best-of au montage, sinon ça va être trop long. Donc on y va maintenant, c'est parti. S'il y a des gens cachés, vous pouvez sortir, mais restez à votre place. Il y a quelqu'un. Oh le bâtard. Oh, il y avait un mec juste là, c'est une dinguerie. Ah ouais, d'accord, très très chaud lui. Numéro 8, hein. Ah ouais, alors il y avait 3 personnes cachées là-bas, impossible à trouver. Ils sont très très chauds. Allez, on continue. Allez. Oh, je suis là-dedans. Oh, ah ouais, tout en haut. Jamais de la vie, je serais venu vous chercher. Moi non plus. Vous êtes combien là-dedans là? Mais non. Quoi? Tu peux sortir, c'était caché là. Oh.
rivière. Ah ouais, à côté de la rivière en plus. Ah bravo, franchement c'est fort là. Oh, il y en avait un qui était sous le bateau les gars. Sous le bateau, j'en ai trouvé un qui était au-dessus là. Vous croyez qu'il porte le bateau? Non, 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 c'est sporté. Bravo lui, il est fort. Allez, on continue. Bien joué. Mais non! Ouais, assis dans les buissons. Bravo. Ça va? Bien joué frérot. Bravo. À Skip, il y en a dans la poubelle là. Je suis dévasté si c'est vrai. Oh putain, il y a quelqu'un, est-ce que vous voyez là? Mais c'est un truc de fou, wesh. C'est un truc de fou. Les gars, il y a des gens de l'autre côté de la rivière. Comment ils sont passés? Attends, il y en a un et il y en a un deuxième. Oh, il y a deux personnes. Ah ouais. Ah ouais. Oh, ils ont traversé la rivière. Ah ouais, c'est un autre game là. Donc lui, les chaussettes mouillées, ça le dérange pas. Oh mais non! Regarde, on voit un visage. Mais non. Ah ouais! Ah ouais, le niveau de zinzin. Tombe, 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 tombe! Allez, tombe, tombe, tombe! Oh, bravo. Hein. Non, ma chaussure a pris l'eau. Ouais! Allez! Bravo en tout cas. Mais non. Attends, s'il y a quelqu'un qui sort de la poubelle. Oh, notre poubelle. Mais on a fait toutes les poubelles, on est d'accord? Bah, a priori, non, du coup. Ah, bravo, mais attends, je suis passé à côté, j'ai fait toutes les poubelles sauf celle-là où il y a des gens, c'est fou. Allez, on enchaîne. Oh, il était caché juste là. Y a quelqu'un? Ah, ouais, mais sérieux? Non. Ah, ouais, d'accord, ouais, c'est perdu. Hein. Mais non. Ah, ouais, ah, oui, d'accord. Ah, oui, tout derrière. Bah, là, tu vois. Oh, ah, ouais. Y a quelqu'un là? Bien joué, poteau, en vrai. Ah, ouais, juste là. T'as besoin d'aide? Parce que quand on dit non, en général, c'est qu'on n'ose pas, mais. À mon avis, il était bien caché. Ah ouais! Ah ouais, bravo! Bah, j'imagine, ouais! Bien joué! Ah ouais, juste là! Ah ouais! Oh, d'accord! Mais non! Pendant 2 heures, elle est restée là, mais. Ouah, mais elle a dû avoir trop chaud! Ah ouais, de fou! Ça fait un peu chaud là! Attendez, juste là, les gars! Là, là! Vous avez vu? Mais non, c'est un arbre! Mais non! Mais ouais! Mais quoi? Ah ouais! Le nombre de fois qu'on est passé à côté en plus, c'est un truc de dingue! Ah ouais, alors là, c'était très très perdu là! Oh, c'est un chasseur. Ah ouais, bravo, hein. Très très chaud, bravo. Bien joué à toi, franchement. Attendez, juste là les gars, là. Ah ouais. Bon, du coup, fin de l'épreuve, fin du jeu. Tout le monde est revenu ici. Du coup, on a vu, il y a quand même pas mal de gens qu'on n'avait pas trouvé. Maintenant les gars, récap, on va voir qui a gagné. On ne connaît pas les scores de chacun. Léo, t'as trouvé combien de personnes toi? J'ai trouvé 18 personnes. Ah ouais. Max, t'as trouvé combien de personnes toi? Que 8. 8. Trop la honte. Ah, il est nul. J'en ai trouvé 8 aussi. Hein. Non. Hey, franchement, belle perf. Bravo mon gars. Attends, du coup, ça se joue entre toi et Brio, du coup. Brio, est-ce que tu as trouvé plus de 18? Non, 16. Aïe, 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 aïe. Et Léo, quel crack. M'applaudissez pas, non, arrêtez. Ah si, belle perf. Au final, les gagnants, c'est quand même les abonnés, parce qu'on a tellement qu'on n'a pas trouvé, donc bravo à vous, bravo, franchement. Oui, et merci à tous les abonnés qui sont revenus, franchement, c'était incroyable. Et surtout, il y en a vraiment qui sont chauffés. Enfin, tout le monde s'est chauffé pour trouver des cachettes de fou. Donc, bravo à tout le monde, ça régale, franchement, c'était un moment de fou. Merci encore déjà à vous d'être venus, franchement, c'est un truc de fou, c'est incroyable. Merci beaucoup. Merci bien sûr à Nick Loland qui nous a accueillis pour ce cache-cache. D'ailleurs, on vous met aussi des plans, des attractions qu'on a la chance de faire maintenant. Ça régale aussi un maximum. Merci Nick Loland. Hein. Ouais, merci Nick Loland. Hein. N'hésitez pas évidemment à venir ici, on vous met évidemment toutes les infos en description pour passer des bons moments, évidemment ça régale. Et puis bien sûr, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, ça fait plaisir. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner bien sûr. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous.